Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today, learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal, ça va pas trop mal. So I hope you're doing fine. So let's take the time once again to say hello to everybody. So Luciana Moribe is here. Chamali Fernando is with us. Renato Silva is here. Stardust, bonjour. Yossi, bonjour. Bikert, Yasmine, bonjour. Victoria. Jacques est là aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? So, who's there? Let me check. Cosmina est là. Giz est là, ou Giz est là, je ne sais pas. Let's see. Well, I guess, I mean, the others, they didn't say hello. Oh, Vercingétorix, sorry, I was not scrolling properly. Emma est là, Fiona Adams est là aussi, Cherylyn, bonjour à tout le monde. So, I guess we can start. Today it will be a bit special. Because, well, the idea will be to make you participate maybe a bit more and in a different way. So I will ask you some questions. So you will see how it will go. But let's start. Don't forget, please, to click on the like, because you know that I want to have at least 100 if it's possible. It might be challenging today, like yesterday. We'll see if it's possible. And if it's not, then let's not cry about that. Allez. When we can start with the question of the day, as usually. Dites-moi ce que je devrais cuisiner ce soir. Qu'est-ce que je devrais cuisiner ce soir? So tell me what I should cook tonight. I've got no clue, aucune idée. S'il vous plaît, qu'est-ce que je dois cuisiner ce soir? Bonjour Rupa, participez s'il vous plaît. Allez-y. Alors, Jean nous rejoint. Bonjour Jean, la question est simple. Qu'est-ce que je devrais cuisiner ce soir? Il y a aussi un bon repas. Mais oui, mais il faut me dire quoi? Kanita, bonjour. Tell me what I should cook tonight. Qu'est-ce que je devrais faire? Yasmine, tu devrais faire cuire des boulettes ce soir. Eh ben, pourquoi pas? Des boulettes de viande ou des boulettes de poisson, Yasmine? Ça n'est pas clair. Qu'est-ce que je dois faire? Victoria, un cassoulet direct, c'est simple, c'est clair, un cassoulet, c'est bon le cassoulet, c'est vraiment bon. Rupa, vous devriez cuisiner un gâteau, oui, d'accord. Yann, faire cuisine risto, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Luciana, peut-être que tu devrais cuisiner une ratatouille. Oh, ça, c'est bon, la ratatouille, c'est vrai. Stardust, un coq au vin et une mousse au chocolat.
Ça, ce serait pas mal aussi. Bonne idée, bonne idée. Bickert, vous devriez cuisiner du poulet avec du riz. Et ça aussi, c'est une bonne idée. Roman, bonsoir Roman. Qu'est-ce que je dois cuisiner ce soir? Vercingétorix, vous devriez cuisiner de la fondue. Ah, la fondue, c'est sympa. C'est sympathique, la fondue, effectivement. Mais bon, malheureusement, mon fils n'aime pas trop. Nicolas n'est pas un grand spécialiste de la fondue. C'est dommage. Mercurial, tu devrais faire cuire du poulet. Oui, j'aime beaucoup le poulet, c'est vrai. Avec quoi? Avec quoi? Jean qui nous dit ce soir, tu devrais cuisiner un plat chinois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais lequel? Emma, un sandwich au poulet. Pourquoi pas? Yasmine qui dit pour les boulettes, c'est votre choix. Merci. Kanita, des nouilles épicées. Ça, c'est pas mal aussi, oui. Renato, des pommes de terre et de la viande de porc au four. Ça, c'est une bonne idée. Julia qui dit, moi, je vais préparer des moules à la crème à l'ail et vous pouvez rejoindre. Ah ben les moules, oui. Je préfère les moules marinières. Mais c'est vrai que les moules, c'est très très bon. Yann qui nous dit, donc cuisiner du risotto, d'accord? C'est vrai que c'est pas mal le risotto. Hillary qui dit, vous devriez faire un sandwich au beurre d'arachide et à la confiture. Oui, ça n'est pas un repas véritablement. Yossi, un bouillon. Yossi, j'adore la soupe. La soupe, j'adore. Roman, donc préparer une omelette. Ça, c'est bien les omelettes aussi. Victoria qui nous dit, je devrais cuisiner une tarte tatin. Tarte tatin, c'est pas mal aussi. Très bien, bah écoutez, merci pour vos suggestions. C'est très très gentil. Ah, ça continue. Fiona Adams, poisson et frites. Trix Zoumi qui nous dit du poulet et du riz. C'est peut-être une bonne idée, ça. Les gens aiment bien le poulet, apparemment. Bickert, vous devriez faire du pain perdu avec du thé et beaucoup de fromage. J'ai pas mal de fromage dans mon frigo, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas. Alors, que dit-elle? Que dit-elle? What does she say? Regardez ici, vous avez une photo, vous avez deux personnes. Imaginez ce qu'elle dit. Que dit-elle? Allez-y, vous avez une minute. Alors ça y est, Renato Silva qui nous dit, qu'elle dit, je regarde Noël, très bien, viva, bonjour, Victoria Jacques, j'ai hâte de préparer des biscuits pour le Père Noël, très bien, Rayou qui dit, joyeux Noël, oui, pourquoi pas, Ice Cubes, elle dit, bonsoir tout le monde, bonsoir Ice Cubes. Vercingétorix, je ne veux pas que mes amis me reconnaissent. Elle se cache derrière ses biscuits de Noël. Rupa, elle dit trouve-moi, c'est pas mal. Bickert, elle dit je suis très jolie, n'est-ce pas? C'est vrai. Jouer à coucou. Hilary Owell, coucou. C'est comme ça, hein. On se cache et on fait coucou. Emma, elle dit j'aime Noël. Oui,
Yossi, elle dit qu'elle est heureuse de participer à cette fête. Très bien. Yann qui nous dit, elle dit, je suis contente. Stardust, les cookies vous rendent heureux. C'est vrai, regardez, ils sont tellement heureux. Alors Fiona Adams, elle dit, bonhomme en pain d'épices pour Noël. Très bien. Luciana Moribel a dit, je ne veux... Alors, je ne veux pas voir les cadeaux de ce Noël. Jean, elle dit, j'adore ces biscuits de pain d'épices. Très bien. Kanita, elle dit, je suis très heureuse. Kanita, on met heureuse au féminin. Lisbeth, ah bonjour, rejoignez le cours. Yasmine, elle dit, jouons et mangeons avec ses cookies ou ses biscuits. Cosmina Bellois, regardant cette photo avec un joli couple pour ajouter un peu de romantisme, j'ai envie de citer Serge Gainsbourg, tourne-toi contre moi et danse la décadence. Eh oui, Serge Gainsbourg, incroyable personnage. Alors très bien, merci beaucoup en tout cas, on continue. Allez, comme d'habitude, so as usual, I'm asking the word of the day, le mot du jour. Quel mot pourrait résumer votre journée? Allez-y, juste un mot, on est d'accord, pas une phrase, un mot. Donc, alors attendez, viva, you make our words speak. That's the concept. That's the beautiful concept. Allez, un mot s'il vous plaît. Alors, Cosmina qui, comme d'habitude, nous propose un mot avec plus de deux syllabes. Anna Martesi. D'accord, Rayou fatigue. Ah oui, moi un petit peu aussi. Un petit peu aussi, je dois dire. Bickert, le sacrifice. Yulia, vélo. Ça, c'est pas mal. Avec un accent aigu, c'est encore mieux. Yossi, la passion de la langue française. Hilary qui nous dit fatigué. Eh oui, on va faire un club. Le club des fatigués aujourd'hui. Stardust, chocolat. Renato Silva, pleuve. Alors, est-ce que c'est pluie, peut-être, le substantif? Ou pleuvoir, le verbe. Lisbeth, enthousiaste, ça c'est bien. Viva, blonde, d'accord. Achani, bonjour, bonjour Achani, participez au cours. Rupa, magnifique. Vercingétorix, perdu. Jean, joie. Victoria Possé, achat, ça c'est pas mal. Luciana Moribé, les vidéos. Mercurial, ordinaire. Eh oui, c'est, il y a des journées comme ça. Victoria Jacques, épuisée, moi aussi. Ah, ça arrive. Hein. Voilà, il y a des fois, c'est, on est en bas, puis après on est en haut, c'est comme ça. Romane qui nous dit affamé. Yasmine aussi, affamé. Il faut manger. Hein. Rahayou, besoin de vacances, d'accord. Ice Cube, belle. Renato qui nous dit pluie, d'accord. Fiona Adams, reine, très bien. L'animal? L'animal reine, pourquoi? Est-ce que vous avez mangé du renne ou est-ce que vous avez vu un renne? Olga, bonjour, vous nous rejoignez. C'est très agréable. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos, pour vos mots. Tortue nous dit ailleurs. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like, ça me ferait très 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 plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, à vous la parole. So today you will have to write me some things. Allez, on y va. Est-ce que vous préférez travailler ou étudier à la maison ou au bureau, à l'école ou à l'université? Qu'est-ce que vous préférez?
Actuellement, c'est difficile de choisir, mais en général, est-ce que vous préférez travailler ou étudier à la maison ou au bureau ou à l'école ou l'université, et pourquoi, hein? So I'm expecting you to explain me why. Allez-y, s'il vous plaît, j'attends vos réponses avec impatience. Fiona Adams qui dit non, 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 le renne, c'est pas pour le manger, c'est pour Noël. Très bien, je pose la question. Mich Micha, bonjour. Participez, s'il vous plaît. Alors, Victoria Jacques qui dit « Je préfère travailler à domicile. Moins de gens me parlent de choses dont je me fiche. » C'est vrai, ça c'est l'avantage, hein. C'est l'avantage de ne pas être au bureau. Alors, Léaïs Bouhari, bonjour, bonjour. How you can participate to the lesson. Ice Cube, j'utilise toute l'opportunité. L'endroit n'est pas important. Et voilà, Ice Cube, c'est quelqu'un de très, très, très ouvert. Lucienne Amoribé, je voudrais travailler à la maison. Alors, attendez, mais ce n'est pas possible. Eh oui, alors c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Lisbeth, je préfère travailler au bureau parce que je peux voir mes amis. Très bien. Chris Mo qui dit à l'école parce que les gens sont comme les chats. Je regarde et je dis waouh, ils sont très bizarres. Les gens sont comme des chats, ça c'est intéressant. Mich Micha, je préfère étudier chez moi parce que c'est plus tranquille. Viva, je préfère. Ah, vous préférez les deux, Viva. Viva préfère les deux, c'est bien. Stardust, je préfère travailler à la maison car vous pouvez mieux organiser votre temps et les enfants ne sont pas seuls après l'école non plus. Ça, c'est vrai. Victoria Possé, je préfère sortir de la maison pour aller au bureau. Alors attendez, je vous ai perdu, Victoria. Voilà. Ou à l'école, car il y a plus de relations avec les gens. Yossi, étudier à la maison, c'est le meilleur choix. Vouslat, bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Participez, s'il vous plaît. Rahayou, je préfère travailler chez moi parce que je ne gâche pas de temps pour faire la navette. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, hein. On gagne du temps. Yasmine, je préfère étudier à l'école car cela apporte plus de visibilité et je préfère travailler de chez moi car cela apporte moins de pression. D'accord. Renato Silva, je préfère le deuxième choix parce que je préfère travailler en groupe. Yulia, je préfère travailler à la maison et étudier à l'école parce que dans les deux cas, c'est plus efficace. Très bien. Desarlika, bonjour, bonjour. Participez. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like. Merci beaucoup. Mercurial, je préfère travailler à la maison pour pouvoir apprendre le français en même temps. Très bien. Jean qui nous dit, je préfère travailler à l'école. Alors attendez, je vous ai perdu, Jean. Oui, parce que je suis un prof de maths. Eh oui, vous n'aimez pas enseigner à distance. Roman, je préfère travailler au bureau parce que nous rencontrons nos collègues et nous avons des fans en travaillant. Ah ah. D'accord, ou des amis peut-être. Olga, à la maison, vous pouvez faire quelques restes ou quelques siestes, vous voulez dire. Bicot, je préfère travailler à l'université, mais il y a longtemps que j'ai fini l'école et c'est pas possible. Fiona qui nous dit, j'aime travailler chez moi car je peux travailler en pyjama.
C'est ça aussi, hein. On peut travailler comme on veut. Vercingétorix, franchement, je n'aime pas le travail à l'intérieur. Je préfère être à l'extérieur et beaucoup de voyages. Oui, mais... Alors, est-ce que ça revient ? Voilà, il y avait une petite coupure, une petite interruption. J'espère que vous êtes toujours là. Mais écoutez, nous continuons. Juste avant, je vais quand même lire Cosmina. Cosmina qui nous a dit, à mon avis, chaque variante a ses avantages et ses inconvénients. À la maison, c'est plus commode, mais au bureau, vous pouvez parler avec votre collègue et échanger des idées, c'est vrai. Cheryline qui nous dit « Avec la pandémie, je préférerais travailler à la fac parce que mon université est située près de la plage et du centre-ville où je pouvais sortir avec mes amis. » Ça, c'est vrai que la proximité de la plage ou du centre-ville, ça peut être sympathique. Allez, merci beaucoup. Alors, il semblerait qu'effectivement, encore une fois, il y a un petit problème technique, mais ça n'est pas grave. Je vais vous poser les questions en espérant que ça pourra marcher ou ça ne marchera pas, mais c'est pas grave. So, I will ask you the questions and if you... Well, you can just answer to these questions as we do. So, it won't be the question that you can see on your screen, obviously, because apparently it's not really working. So, the question is, la question c'est, qu'avez-vous mangé au petit déjeuner? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez mangé au petit déjeuner? Allez-y, écrivez-moi ça. Eh bien, comme d'habitude, hein, en commentaire, vous avez une minute. Je vais regarder si je peux régler le problème. Alors, Yossi qui nous dit... non, Yesero qui était... J'ai mangé une pomme et des céréales. Ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois Yossi donc, qui nous dit... J'ai mangé un cottage avec une pomme et un café. Très bien. Crismo, un peu de chocolatine pour faire et du thé. Gisela qui nous dit... Je n'ai pas encore mangé, je suis toujours au lit. Ah ça c'est pas mal, c'est bien, Mercurial qui dit j'ai fait un smoothie, très bien, ensuite je regarde les autres, Luciana j'ai mangé du pain avec des raisins, du pain au raisin et un café au lait, oh, le pain au raisin c'est délicieux, Julia pour mon petit déjeuner j'ai pris une tasse de café avec de la frangipane, ça c'est bon la frangipane, Lisbeth j'ai mangé des petits pains avec du café. Très bien. Gisela, oui, c'était bien écrit. Alors, cause it's there. Je mange du pain suisse avec du café. Qu'est-ce que c'est un pain suisse? Ah, c'était le... Est-ce que le pain suisse, c'est un pain au chocolat? Je ne connais... On en avait parlé de ça. Cosmina Bellou, aujourd'hui, pour le petit déjeuner, j'ai mangé une omelette et j'ai bu un café. Renato Silva, je bois du lait au café.
C'est pas du café au lait, c'est du lait au café et un pain avec du fromage. Très bien, Emma, je mange un pain avec des fruits, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Olga, je n'ai pas mangé le petit déjeuner encore. Hilary, je n'ai pas mangé. Mich, Micha, j'ai pris des céréales et une tasse de café noir. Yasmine, une chocolatine et un café, ça c'est pas mal. Lies, j'ai mangé du couscous algérien. Oui, au petit déjeuner, waouh, le couscous c'est bon. Le couscous, c'est même délicieux. Vercingétorix, café au lait, pain beurre avec confiture de framboise. Canita, j'ai mangé du chocolat, chocopop, pardon, avec des canneberges séchées au lait. Waouh ! Fiona Adams, un sandwich à l'avocat et un œuf. Ça, c'est bien aussi. Cherylin, j'ai mangé du faux avec une pomme pour le petit déjeuner. Victoria Jacques, je n'ai pas encore mangé, mais je vais bientôt prendre le thé. Vous avez faim peut-être. Victoria Possé, un café avec une viennoiserie. Oh, un millefeuille. Waouh. Ah, millefeuille. Ça c'est bon, ça c'est bon, un millefeuille. Raya Rahayou, ce matin je n'ai pas mangé. Oui, faites attention, je n'ai pas mangé. J'ai pris un café, c'est tout. Vous, là, j'ai mangé un œuf, du fromage, des olives, avec un morceau de pain, des céréales et j'ai bu du thé. Très très bien, très bien, effectivement. Alors Romane, je n'ai pas encore mangé car j'ai fini mes cours. Je viens de commencer le cours de français, donc j'ai vraiment faim. Ah bah oui, mais vous pouvez manger en même temps, c'est possible, c'est possible. Allez, on va continuer. Alors, attention, la question suivante, eh bien la question suivante c'est quel est votre vêtement préféré ? Quel est votre vêtement préféré ? So, what is your favorite piece of clothes ? Et pourquoi, bien sûr. Quel est votre vêtement préféré et pourquoi ? Allez-y. Ça y est, ça marche. Alors voilà, ça marche. Donc quel est votre vêtement préféré et pourquoi ? Je regarde Viva qui nous dit une robe noire. Très bien. Les autres n'ont pas encore répondu. J'attends, je vous donne une petite minute pour répondre, bien sûr. Alors, regardons, Lisbeth qui nous dit « Je préfère les jeans parce qu'ils sont trop confortables. » Oui, très confortables. Yossi, un t-shirt et un jean. Très bien. Yulia, un pyjama chaud. Jean qui nous dit « Une robe d'été parce que j'habite en Arizona. » Très bien. Hilary qui nous dit « Je préfère mon pyjama parce que c'est confortable. » Le pyjama est très populaire, j'ai remarqué. « Cause it's here. » J'aime mes chaussons d'escalade. Chaussures peut-être ou chaussons. Olga Ruiz, un pantalon très confortable. Yesero, je préfère des shorts et un t-shirt. Victoria Possé, mon vêtement préféré, donc ce sont les vêtements de sport. Luciana Moribé, mon vêtement préféré est un t-shirt parce qu'il est très confortable. Renato Silva, le vêtement que je préfère est le jean parce que je fais toutes mes activités
à volonté, très bien écrit. Fiona Adams, je préfère les pyjamas parce que je suis à l'aise. Ça fait la troisième personne qui nous parle du pyjama. C'est très très populaire les pyjamas. Rahayu, je préfère la robe courte parce que je suis petite. Hein. On dit pas court, vous savez, on dit petit. Hein. Mais comme moi. Emma, je préfère une robe parce que c'est très confortable. Bonville Lover, bonjour. Bonjour, j'adore les robes ou les jupes amples et légères, elles sont très belles. Mich Micha, je porte une jupe et je tire dessus parce que ça va, d'accord? Oui. Alors, Bachar, je préfère les pyjamas, quatrième, parce que je suis à l'aise. Très bien. Mercurial, mon vêtement préféré est mon costume d'anniversaire. Très bien, vous avez un costume spécial. Ça, c'est très bien. Jeff, des chaussures de course. Très bien. Kanita, je préfère un pyjama, 5. Tout le monde aime le pyjama. Vouslat, mon vêtement préféré est une jupe et une blouse parce que c'est confortable. Roman, je préfère un pantalon avec un t-shirt. Très bien. Alors, je regarde les autres. Cosmina, qui nous dit quoi? Qui nous dit, j'aime tous les vêtements, robe, pantalon, en velours. Mais mon vêtement préféré, c'est le costume traditionnel roumain. La blouse pour les femmes est vraiment une œuvre d'art. Oh, ben, c'est formidable. N'oubliez pas de cliquer sur like, ce serait idéal d'arriver au 100. 100, ce serait formidable. Je vois que Victoria nous dit quoi? Victoria, j'aime porter mon pyjama 6 de sommeil et je change pour mon pyjama de travail. Deux pyjamas. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes quand même. Restons sérieux. Allez, on continue avec les questions. Quel est votre emoji le plus utilisé, celui que vous préférez et pourquoi? D'accord, si vous voulez expliquer, si vous ne voulez pas expliquer, mettez juste votre emoji et ce sera intéressant. Merci. Alors, je vois que vous ne voulez pas expliquer. Hein. Vous les mettez comme ça. Donc, très bien, effectivement. Pour l'instant, ce sont des choses très, très joyeuses et très optimistes. Bachar, oui, quel est votre emoji le plus utilisé? C'est la question, effectivement, c'est la question. Alors, Yesero qui nous met ce petit personnage, et oui, parce qu'il dit qu'il aime rire. Et rire, c'est très très bon pour la santé. Hein? Comme ça, après, on va vivre très vieux et très longtemps, ça va être formidable. Alors, Rayou qui nous dit, oui, parce qu'elle aime les chats, très bien, effectivement. Gisela qui nous met la danseuse. La danseuse, elle est spéciale quand même. Roman, j'ai toujours utilisé ses emojis. D'accord, très bien. Yann Arte qui nous dit que c'est comme ça. C'est le pouce des Sarlika qui nous dit c'est ça parce que c'est un sourire. Et c'est toujours bien de sourire. Cosmina, je crois que mon emoji préféré, c'est celui-ci parce qu'il émane de la positivité. Celui-ci parce qu'il est mignon, nous dit Julia. L'emoji qui doute un petit peu ou il se pose des questions. Bickert, mon emoji, ah bah il a plusieurs là, parce qu'il est mignon, d'accord. Hillary qui nous dit, j'aime celui-là. Alors, c'est un cœur ça, non? Parce que c'est très mignon. Donc, il a comme s'il avait un chapeau de cœur. Vercingétorix, l'emoji du sourire. Eh ben oui. Olga Ruiz, le sourire aussi. Cheryline qui nous dit le koala.
Il est mignon, il est très mignon, parce que je viens d'Australie et je les adore. À mon avis, ils sont trop mignons. Mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont très très mignons, les koalas. Hein. Victoria Posset, les emojis préférés sont les trois singes, parce qu'ils sont mignons. Kirill, parce que je suis un médecin. Ah, vous avez le cœur, effectivement, avec le signe de la médecine un petit peu mercurial. Les emojis, alors attendez, c'était le pouce comme ça qui est le plus utilisé, c'est d'accord. Kanita, mon emoji est d'accord, il y en a deux. Donc sourire. Alors Ice Cube, c'est du champagne. Hein. Et oui, tout le monde sait pourquoi. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est de l'eau. Vous avez peut-être remarqué. Renato Silva, les emojis que j'utilise le plus, c'est celui qui pleure. Ah oui, d'accord. Donc, qui rit, mais qui pleure en même temps. Hein. Qui pleure de rire, comme on dit. Vouslat, mon emoji le plus utilisé, c'est une rose rouge. Parce que j'aime beaucoup les fleurs. C'est vrai que c'est... Oui. Et puis elle est belle, cette rose. Hein. Micha, donc il nous met des bisous parce que j'aime mes amis et la vie. Très bien. Luciana Moribé, mon emoji le plus utilisé, c'est le pouce. Très bien. Et en parlant de pouce, n'oubliez pas de cliquer sur « like ». Tout le monde, tout le monde. Science, j'aime utiliser cet emoji parce qu'il y a beaucoup de significations. Oui, c'est vrai que votre emoji, on peut voir beaucoup de choses hein, dans cette expression. Bonville Lover, c'est le personnage qui rit parce qu'il est très amusant. Ou alors, celui qui fait comme ça parce que je l'utilise très souvent. Quel emoji j'utilise le plus? Moi, c'est souvent le personnage qui sourit. Je ne sais pas si je peux l'avoir ici. Attendez. Moi, c'est très, très basique. Hein. Je ne suis pas un grand spécialiste. Non, je ne l'ai pas. C'est un personnage qui sourit. Le classique. Hein. Vraiment le classique. Alors, Victoria Jacques qui nous dit que c'est le verre de vin rouge. Lisbeth, qu'est-ce que c'est? Parce que j'aime être heureuse et aussi l'étoile qui est toujours... Oui, vous aimez regarder le ciel la nuit. C'est vrai que c'est très très chouette quand on voit les étoiles. Fiona Adams, j'aime utiliser le singe beaucoup parce que ça me rappelle mon frère. Je ne suis pas sûr, Fiona, que ce soit sympathique. Un singe? C'est un singe ou c'est un... Oui, on dirait. Très bien, merci beaucoup. Allez, on continue. Quel est votre style musical préféré? Pourquoi? C'est comme vous voulez. Vous pouvez expliquer pourquoi, si vous savez pourquoi. Mais essayez de me dire quel est votre style musical préféré. On aime bien sûr beaucoup de choses, mais souvent, il y a peut-être un style musical que l'on préfère. Allez-y. Alors, c'est vrai, hein. Luciana Moribé dit, il y a, et là, il y a 106 personnes. 106 personnes, normalement, vous devriez cliquer sur like. Remember to click on likes, thank you very much, because my little pleasure would be to reach this 100 likes, and you are 106 persons right now, so it could be possible, be nice with me. Click on like, merci. Alors, je regarde, et je crois, c'est Lisbeth qui nous dit, la musique, il est parce que j'adore danser tout le temps. Attention, Lisbeth, danser, c'est avec un S en français. Cheryl qui nous dit « j'adore le jazz ». Olga qui nous dit « la musique classique et le jazz », très bien. Victoria Jacques, « cela dépend de mon humeur. Aujourd'hui, j'écouterai du rap pour avoir de l'énergie », très bien. Yesero, « je préfère la musique classique car ça me détend ». Fiona Adams, j'aime la musique classique parce qu'elle est calme. Micha, j'adore la musique
musique orientale. Vous, cela, je préfère la musique classique et le pop. Lanora qui nous dit « Je préfère la musique classique parce que je fais du ballet. » Très bien. Ah oui, et au ballet, il y a beaucoup d'expressions, de termes français, non ? Quella, j'aime utiliser... Ah, d'accord. Quella, rafraîchissez. Rafraîchissez ! On n'est pas synchronisé. Luciana Moribé, je suis éclectique, mais j'aime les classiques et les chansons romantiques. Bourneville Lover, donc j'adore tous les styles musicaux, attention pluriel, musicaux. Je ne peux pas choisir, j'aime de la musique qui me rend très heureuse. Bah, très bien. Dessarlika qui dit, je ne sais pas. Eh bien, c'est pas grave. Roman qui dit, je préfère le style pop. Parce que je profite quand j'écoute, oui, ou j'apprécie peut-être tout simplement. Mercurial, la musique rap parce qu'elle exprime la vraie vie. Hilary qui nous dit j'aime la musique avec du piano. Attendez, je suis perdu. Ça y est. Je vous ai perdu. Voilà, c'était là. Et Hilary, j'aime la musique au piano parce que j'adore le piano. Jean, j'aime la musique de Broadway. Très bien. Cause it's here, je préfère la musique de Jean Ferrat. Oh oui. c'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Jean Ferrat. Yossi, j'adore les arrangements musicaux et les célèbres mélodies. Très bien. Yann qui nous dit, je préfère la musique classique. Donaloff, j'aime tous les genres sauf l'opéra. Rupa qui nous dit j'adore Ghazal. Très bien. Zera qui nous dit je préfère la musique pop. Renato, le style musical que je préfère c'est le rock. Cosmina, quand nous avons fait les cours de français pendant le premier confinement, j'ai dit que mon style musical préféré c'est le jazz. Ben oui, je sais, mais je pose les questions. Et parce que je suis une personne un peu conservatoire, j'ai gardé mon opinion. Victoria, j'aime toutes les musiques. Victoria Possé. Gisela, j'aime la plupart des musiques, donc c'est difficile. Je n'aime pas la country américaine et l'opéra. Emma, je préfère la musique africaine parce que j'adore danser. Eh oui. Bickert, mon style est la musique classique. En fait, il peut changer de la situation psychologique. J'aime le rap, nostalgique, et la musique calme peut-être, ou tranquille. Ice Cubes, j'aime bien, je peux tout écouter, pardon, mais j'adore les classiques avec le violon. Et oui, je me souviens, on avait discuté de ça aussi. C'est le violoncelle aussi que vous avez bien aimé. Science, je préfère la musique folk européenne et aussi des sons que vous jouez ici. Merci. Julia, ça dépend. Quand j'étais jeune, j'aimais le rock, mais ensuite c'était le jazz, la musique classique, et maintenant tout sauf le rap. N'oubliez pas de cliquer sur like, merci. 100, j'en voudrais 100 pour aujourd'hui. Alors celle-là, elle est sympa. Si un film était réalisé sur votre vie, quel serait le titre de ce film ? Alors, si un film était réalisé sur votre vie, quel serait le titre de ce film ? Allez-y. Alors, c'est Cheryl qui commence et Cheryl nous dit « Le titre serait « C'est la vie ».»
un titre pas mal. Ice Cubes, oui, je joue du violon et tu te rappelles trop. Mais non. Oh, ben c'est pas des informations qu'ils ont très. Alors, Paola qui nous dit, le titre ce serait « C'est quoi ce bazar ?» Chrismo, la gloire de mon père et le château de ma mère. Ou tout par ma serpagnole. Oui, mais oui, d'accord. Yesero, le titre sera « On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie ». Et ça, c'est vrai. Julien, et j'essaye. La fameuse. Mais c'est, oui, c'était une chanson. Mercurial, le clown. Très bien. Vercingétorix. Donc, né au mauvais endroit, au mauvais moment. Oh, ben ça, c'est intéressant comme concept. Cherylin, le titre serait Sérénité, d'accord. Vouslat, la vie tumultueuse d'une femme sensible. Rupa, la grande vie. Yossi, c'est la même chose que ce serait C'est la vie. Hillary qui nous dit une vieille femme. Mais non! Mais non! Victoria Possé, le film de ma vie serait Les sept vies de Victoria. Très bien, sept comme. Mais c'est comme les chats. Les chats ont sept vies, non? Luciana Moribé, Les chemins de la lumière. Ça, c'est chouette. Canita, la vie de Canita à Toulouse. La ville rose. Victoria Jacques, la vie et l'époque de Victoria. Emmenez-moi dans un avion. Mais bientôt, ça va arriver, les... Le vaccin arrive, Victoria Jacques. Vous pouvez bientôt voyager. Lanora, la lumière éternelle. Mich Micha qui nous dit « J'ai une personnalité divers. » D'accord, diverse, très bien. Olga Ruiz, les aventures de... voilà. Fiona Adams qui nous dit « Le titre sera Le cas de l'écrou. » Alors ça, c'est intéressant. Ensuite, qui est-ce qui a mis? Donc, Cause It's Here, totalement hors de contrôle. D'accord. Cosmina Bellou, si un film était réalisé sur ma vie, le titre serait Adamantine. D'accord. Bombville Lover, oh non, c'est ça le titre. Lisbeth, la vie en rose. Je plaisante. Romane, ce serait une triste histoire qui se termine par le bonheur. Ça, c'est pas mal. Clétino qui nous dit bonjour, participez. Bickert, la vie continue malgré tout. Dessarlika, ce serait n'abandonne jamais. Ça, c'est bien. Science, ça s'appellerait une série de surprises indésirables et inattendues. Très bien. Renato, je n'ai pas commencé et je ne vais pas finir. Allez, on continue. Aujourd'hui, c'est à vous de parler. Quel conseil pourriez-vous me donner? Allez, donnez-moi un conseil. On va voir ce que vous me donnez comme conseil. Vous avez une minute pour me donner un conseil. Alors, Mas Fuentes, bonjour, participez au cours. Alors, Viva, restez calme.
pas de problème. Bonsoir à vous, profitez. Alors, Mich Micha profite de la vie. Oh, et oui, ça c'est gentil. Victoria Possé, vous êtes sage et vous n'avez besoin d'aucun conseil. On a toujours besoin de conseils. Victor, bonjour du Pérou, greetings. You can join the lesson, Victor. So try to write me a sentence to give me an advice if you want to give me an advice. Ensuite, Emma. Alors, continuez à faire ce que vous faites, Emma. This would be in French. Continuez à faire ce que vous faites. D'accord? Yesero, le conseil que je pourrais vous donner, ça ne renonce jamais. Allez jusqu'au bout. Paola, regardez le ciel et buvez de l'eau minérale. Eh bien, regardez, c'est de l'eau minérale que j'ai avec moi. Donc, pas de problème et je vais regarder le ciel. Bicot, n'oubliez jamais votre espoir, la vie passe très vite. Oui, Bonville Lover, ne bois pas d'eau en train de faire des sauts. Alors là, j'ai pas compris. Ne bois pas d'eau en train de sauter, peut-être. Gisela, ouvrir un compte de GoFundMe avec un café quotidien. Oui, mais bon, mon café, ça va. Luciana Boribé, prenez un verre de vin loin de l'ordinateur. Vous avez remarqué, j'ai changé la configuration. Je fais attention. Le Mercurial, le conseil, cliquez sur le bouton like. Oui, s'il vous plaît. Renato, je vous conseille de continuer vos excellentes leçons de français. Merci beaucoup. Yossi, préparez un bon repas ce soir. Oui, et grâce à vous, je sais quoi préparer. Yulia, retirez le lapin aux oreilles roses de votre guitare et chantez une chanson. Non, le lapin reste derrière moi. C'est sa place. Stardust, souriez comme il y a quelque chose pour sourire chaque jour. C'est vrai qu'on doit sourire. Il faut sourire dans la vie. Lanora, buvez de l'eau, mangez beaucoup de légumes, faites des exercices et riez tous les jours. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Sophia, cherchez Dieu, peut-être. Est-ce que c'est Dieu ou Dieu? Je ne sais pas, Sophia. Hillary, n'abandonnez jamais. Vercingétorix, le secret d'une bonne santé est de vivre pleinement l'instant présent. Oh, Vercingétorix, et philosophe également. Kozitsir, je ne pense pas, tout est parfait. Merci. Roman, soyez plus amical lorsque vous demandez, nous demandons, plaisantons, répondez s'il vous plaît. Comment ça, je réponds? Ah, nous demandons, nous plaisantons, mais je ne peux pas toujours voir les choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Yasmine, préparez un bon repas ce soir. Très bien, je vais manger. Cosmina Bellouf, je vous prie d'avoir soin de vous parce que vous faites vraiment un travail exceptionnel. Mais non. Bah, l'idée, c'est de se retrouver ensemble. Hein. C'est de se retrouver ensemble. Lisbeth, que vous viviez pleinement votre vie. Oh là là, ça c'est formidable. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos conseils. Alors attendez, je regarde Victoria, continuez à être vous. C'est difficile d'être quelqu'un d'autre en même temps. Hein. Alors, je crois qu'on peut probablement tirer un trait sur les 100 likes, mais c'est pas grave. Si vous arrivez, if you arrive and you didn't yet click on the like, please do it. Let's try to see if we can reach the 100. On ne sait pas, on ne sait jamais. Allez, on continue, à vous la parole. Si vous n'aviez pas besoin de travailler ou d'étudier, que feriez-vous de votre temps? Si vous n'aviez pas besoin de travailler ou d'étudier, que feriez-vous de votre temps? Allez, je vous laisse la parole.
Alors, Viva qui nous dit que si il ou elle n'avait pas besoin de travailler, il ou elle voyagerait et découvrirait le monde. Victoria Jacques, je pense à vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement en France. C'est ça mon conseil. Alors, regardons ensuite. Fiona. Passer plus de temps avec des enfants handicapés. Yossi, si je pouvais, je voyagerais partout dans le monde. Roman qui nous dit, je voudrais voyager dans différents lieux. Très bien. Rupa, je voudrais voyager dans différents endroits. Tout le monde veut voyager, hein ? C'est difficile en ce moment. Tout le monde est triste, et moi aussi. Chrismo, je voudrais visiter le restaurant avec 3 étoiles Michelin et habiter à Marseille. Très bon choix, vous pouvez aller dans les Calanques, dans ces endroits formidables et paradisiaques. Micha, je voudrais jouer de la musique et lire. Yesero, si je n'avais pas besoin de travailler ou d'étudier, je voyagerais et je visiterais chaque pays. Renato, j'apprendrai la langue française avec vous et surtout, aujourd'hui, il pleut. Oui, mais en général. Alors, Victoria Jacques, je voyagerai, je mangerai, je boirai, j'enregistrerai tout cela et partagerai mon plaisir. J'achèterai aussi une grande ferme et adopterai beaucoup de chiens. Waf waf. Voyager, nous dit Emma. Sophia qui nous dit, je voyagerai partout dans le monde. Hilary, je ferai, je lirai toute la journée. Ariam, je chanterai. Très bien. Stardust, j'aiderai d'autres personnes qui ont moins de chance et qui doivent travailler. Ça, c'est très gentil. Regardons les autres. Mon Dieu, je me suis perdu. Il y a beaucoup de gens. Hein. Science, je parlerai et j'étudierai des langues pour le plaisir seulement avec mes amis internationaux. Olga Ruiz qui nous dit qu'elle voyagerait. Cosmina, je ne conçois pas la vie sans travail et sans apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Lisbeth, je prendrai mon temps pour visiter les communautés où il y a de la pauvreté et aider à apporter de la nourriture. Ça, c'est très très gentil. Yasmine, si je n'avais pas besoin de travailler ou d'étudier, j'aimerais passer mon temps à dessiner et à peindre. Lanora, je danserai et je passerai du temps avec mes proches. Dessarlika, si j'étais libre, je voudrais apprendre quelque chose de nouveau et m'amuser. Luciana, je voudrais voyager plus et étudier beaucoup de langues et les arts en général. Très bien. Blandin, je mangerai dans beaucoup de restaurants. Oui. Ah oui, c'est pareil. C'est pareil. Ice Cube qui nous dit, je passerai plus de temps avec les personnes que j'aime. Ça, c'est vrai. Et Julia qui dit, les moules sont incroyables. Où est-ce que vous avez dit quelque chose? Cheryline, je ne peux pas imaginer ça. J'ai choisi de faire un doctorat parce que j'aime apprendre. Ah, je vous ai perdu. Cheryline, une seconde. Parce que j'aime apprendre et découvrir. Je continuerai à étudier pour le plaisir. Très bien. Bonsoir. Bonsoir, Jamil. Attendez une petite seconde. La question arrive. Jamil, n'oubliez pas de cliquer sur like. Merci. Allez, vous préférez la ville ou la campagne et pourquoi ? Est-ce que vous préférez la ville ou la campagne et pourquoi ? Prenez une petite minute.
Allez, Fiona Adams qui nous dit « J'aime la campagne car elle est calme et belle ». Et ça, c'est vrai, Fiona. Alors, Viva qui nous dit « La campagne ». Vous, Slade, je préfère la ville parce que j'aime la vivacité de la ville. Hilary qui nous dit « Je préfère la ville parce que j'habite à la campagne ». Eh oui. Amine, can you help me, please? Well, yes, I can, but like, to do what? You need to be more specific, Amin. Yossi, je préfère la campagne pour les vacances. Pour le reste, je préfère demeurer en ville. Victoria Posse, je préfère la campagne car j'aime marcher dans la nature. Renato, je préfère la ville parce que je reste ensemble avec mes amis. Yessero, je préfère la campagne car on peut voir tant de choses comme les animaux et les ruisseaux et les montagnes. Ça, c'est vrai. Attendez une seconde, tout le monde m'écrit. C'est très bien. Jamil, je préfère la campagne parce que l'air est plus clair et plus calme. Très bien. Paula, je préfère la ville car c'est quand même curieux de vivre parmi un tas de bêtes humaines dans des boîtes à conserve, vous vouliez dire. Emma, je préfère la campagne parce que c'est très tranquille. Victoria Jacques, je préfère la campagne car j'apprécie la beauté et la nature, mais je suis une fille de la ville. Paradoxe. Stardust, j'aime la vie à la campagne. C'est très calme et pas aussi anonyme qu'en ville. Les gens se connaissent et prennent toujours soin les uns des autres. C'est plus sociable et confortable à la campagne. Rupa, je préfère... Attendez, je vous ai perdu, Rupa. Où êtes-vous? Ouh, beaucoup de monde. Hein. Alors, Rupa, voilà. Je préfère la ville parce que tout est à proximité. Bickert, je préfère la ville pour me promener, faire des magasins, oui, faire du shopping ou aller dans les magasins. Et je préfère la campagne pour me détendre. Vercingétorix, ma préférence a beaucoup changé. Quand j'étais jeune, je préférais la ville, mais maintenant, je cherche le calme et la nature. Liliana, je préfère la campagne parce que je suis une personne calme qui profite de la nature. Ice Cube, ce qu'il n'y a pas la possibilité de choisir les deux. Bon, tout est possible. Tout est possible. Vous pouvez alterner, c'est possible. Lisbeth, je préfère la ville, je suis habituée au bruit et au mouvement d'aller et venir où je veux, ou d'aller et venir où je veux, pardon. Yasmine, la campagne parce qu'elle est si rafraîchissante, sans circulation et pollution. Olga Ruiz, la ville et la campagne pour les vacances. Kozitsia, je préfère la forêt. De Fontainebleau, oh oui, très jolie forêt, très très belle forêt. Monica, je préfère la campagne car j'aime la nature. Science, je préfère la campagne parce que j'habite dans une ville et c'est trop occupé avec la criminalité, etc. Et la campagne est distante et isolée, c'est plus calme. Roman, je préfère la ville parce qu'il y a toujours... comme le travail, donc la maison, et on fait plus d'amis ou plus d'opportunités comme celle-ci, d'accord. Cosmina Bellou, alors attendez, Cosmina, j'habite en ville, mais j'ai grandi à la campagne, et je crois que je préfère la dernière. Desarlica, j'aime les deux, mais je préfère la campagne, car j'aime la nature. Très bien. Gisela, je préfère la ville, vivre en ville. La campagne est trop calme, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Si c'est trop calme, alors, d'accord. Amine, qui dit with les pronoms personnels en et i. Well, yeah, but I've been making a video on that, so you can have a look. I mean, beside watching the lessons, it's difficult to help you. So, but watch the videos. I mean, they're quite precise. Cheryline, en vivant à Sydney, je préfère la ville parce qu'elle est très cosmopolite et située en bord de mer. Ah oui, c'était l'histoire de la plage. Maintenant, je m'en souviens. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur like, c'est peut-être possible. So it's not too late, maybe we can make it. 100 likes, let's see if it's possible. If it's not, then... it's not. À vous la parole. Quel est votre moment préféré de la journée et pourquoi? Quel est votre moment préféré de la journée et pourquoi? Allez-y.
Alors, Roman, oh, c'est très gentil. Oh, merci beaucoup. Roman qui dit quand la leçon commence. Ah, ben ça, c'est gentil. Allez, Victoria Jacques, je préfère 17h01 car c'est à ce moment-là que j'arrête de travailler. Une précision incroyable. Alors, Science, je préfère le matin quand le soleil se lève à nouveau. Eh oui, tout recommence. Stardust, le petit matin quand tout est encore endormi et tout est très calme. C'est vrai, surtout s'il y a des enfants. Juste après, c'est les... Ça change. Yesero, le moment préféré de la journée. Les cours avec... Oh, ben c'est... non, c'est pas nécessaire, Yesero. Merci beaucoup, en tout cas. Et vous avez vos amis, c'est vrai. Lisbeth, le moment préféré quand je finis de travailler et que je rencontre ma mère et ma sœur pour parler de notre journée. Paula, le moment de prendre la première tasse de café, et ça sent bon, ça c'est vrai. Et quand je me sens vraiment réveillé. Oui, le premier café, il est incroyable. Fiona Adams, j'aime le crépuscule parce que le soleil est rouge et très beau, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est très très joli. Attendez, je regarde. Voilà, Renato, je préfère l'après-midi parce que nous sommes plus actifs. Emma, je préfère le matin parce que j'ai plus d'énergie. Ice Cubes, le moment... Alors attendez, une petite seconde. Ce moment est le moment, j'aime recevoir une petite dose de français. Ah, c'est comme le vaccin. Hop là. Rupa, le moment préféré est le soir parce que je suis libre. Eh oui. Yulia, je ne sais pas. Peut-être la fin de la journée quand je tombe ou quand je m'endors. Yasmine qui nous dit mon moment préféré de la journée, c'est le soir car j'aime le coucher du soleil. Ah, très bien. Yossi, je préfère le matin parce que c'est le meilleur moment pour apprendre quelque chose de nouveau. Victoria Possé, mon moment préféré de la journée est quand je prends le premier café le matin. Oui, 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 on en a parlé là. Et que tout est calme, je suis heureuse. Vouslat, je préfère la nuit parce que je peux lire et travailler tranquillement. C'est vrai aussi. Dessar Lika, alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Je vous ai perdu, Dessar Lika. Oh! Oui, vous êtes là. Mon moment préféré de la journée est quand je viens là pour apprendre le français et je progresse. Oh, bah écoutez. Luciana Moribé, maintenant je préfère le nid. Le midi. Parce que je peux regarder votre leçon en live. D'accord. Le nid, c'était bizarre. Midi, c'est clair. Merci. Oh, it's me. Je préfère le matin parce que c'est le moment pour un bon café. C'est vrai. Gisela, le matin, je peux planifier comment je vais conquérir le monde. Bicot, je préfère le soir après le dîner car tout le monde passe dans leur chambre. Je peux étudier le français confortablement ou tranquillement. Olga, le matin, car je peux étudier le français avec vous. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Jamil, le matin est un moment préféré parce que c'est le jour quand tout commence. Eh oui, le commencement de la vie. Eh oui, c'est vrai ça. Fiona Adams, ça y est, 100 likes. Youhou, merci beaucoup. Allez, ce sera la dernière question. Café ou thé ? Réponse très courte. Café ou thé ? Allez-y. Allez, Stardust était la plus rapide, bravo, T.
votez pour Stardust. On va voir qui préfère quoi. C'est très intéressant. Personnellement, c'est plutôt café. Roman, c'est thé. Fiona Adam, c'est café. Julia, c'est... Sherilyn, c'est thé. Lisbeth, c'est thé. Anifé, c'est thé. Master Chief, c'est thé. Léo Lkeros, thé. Bourneville Lover, ah, excusez-moi, j'aime le chocolat chaud. Le chocolat chaud. Si vous allez à Paris, ou si vous pouvez aller à Angelina, oh, le chocolat chaud, il est incroyable là-bas. Alors attendez, je suis perdu. Vouslat, café. Vercingétorix, café, café, café. Dessarlica, thé. Masterchef, thé. Victoria Jacques, thé. Renato, un choix difficile. Hilary, aucun. Dessarlica, le thé, c'est toujours bon pour la santé. Jamil, café. Rupa, thé. Qui est-ce qu'il y a d'autre après? Yossi, café toute la journée, thé le soir. Science, thé. Paola, café, évidemment. Ah, rien n'est évident. Rien n'est évident. Beaker, toujours café au lait. Luciana, qui nous dit café. Emma, thé. Cosmina, qui nous dit café et thé. Le matin, café, et après, thé chaud avec du beurre. Chrismo, il n'est pas une question, c'est thé. Ah, il y a des personnes pour qui c'est évident. Yesero, je préfère le thé car il n'est pas trop fort. Ice Cubes, café, cappuccino, bien sûr. C'est vrai. Ah ben les Italiens, c'est ça. Les Italiens, c'est pizza avec du café. Ah ben bravo. Victoria, sans hésitation, le café est ma passion. Lanora, café décaféiné. Yasmine, café au lait. Viva, thé. Louise, café noir péruvien, et Gisela, café au lait. Regardons l'heure, allez, encore une, juste une petite question. Alors ça c'est amusant aussi, hein, c'est un petit peu dans le même style. Vous préférez les chiens ou les chats, et pourquoi? C'est un petit peu comme le café ou le thé, hein. On a des préférences, qu'est-ce que vous préférez? Les chiens ou les chats, et pourquoi? Allez-y, prenez une petite minute. Alors, Amin, I watch your video and I get it, thank you. My pleasure, Amin. And if you've got an exam, let's hope that everything will be okay, d'accord? Let us know what the grade was and I really hope that you will succeed. Allez, Masterchef, le chien, waf waf. Mais vous n'avez pas dit Paola, miaou. Donc les chats, Rupa chien, Lisbeth chien, parce qu'ils sont inconditionnels. C'est vrai que le chien, il est très 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 affectueux. Hein. Yossi, je préfère les chiens parce qu'ils sont plus fiables. Julia, ni chien ni chat. Oh, ils vont mourir malheureusement. Ben oui, oui, oui. Olga, ah, vous êtes toujours dans le thé. Thé ou café, Vercingétorix, les chiens parce qu'ils sont fidèles. Luciana, je préfère les chiens parce qu'ils sont fidèles aussi, tiens. Stardust, les chiens, mais maintenant j'ai adopté deux chats et mon chien me manque. Ah ben oui, c'est pas le même rapport avec les chiens et les chats. Fiona, j'aime les chiens parce qu'ils n'ont pas d'attitude comme les chats. Bickert, je préfère les chiens car les chiens sont amicaux. Sherilyn, désolée. Alors attendez, Sherilyn, je vous ai perdu. Mais j'ai vu des oreilles de lapin. Oui, des oreilles. Je préfère les lapins parce qu'ils sont les plus mignons. C'est vrai qu'un beau lapin, c'est toujours sympa. Vouslat, j'aime tous les deux parce qu'ils sont très mignons. Dessarlica, ah, vous êtes toujours dans le café, Dessarlica.
Yesero, je préfère les chiens. Hilary, je préfère les chiens parce qu'il est plus mignon. Victoria Jacques, chien. J'ai deux chiens, waouh, et ils sont mignons. Nous avons des pyjamas assortis. Non! J'ai grandi avec des chats. Vos chiens ont des pyjamas? Ça, c'est original. Je ne savais pas que les chiens pouvaient avoir des pyjamas. Bourville Lover, les chats. Si un chat t'aime, c'est plus sincère. Viva, qui nous dit les chats. Parce que je n'ai pas de chat. Et alors, donc, je... Hein? I had a chat. Ah, vous aviez un chat pour une période assez longue. Roman qui nous dit, honnêtement, je préfère les chiens, mais je n'aime pas avoir des animaux peut-être à la maison. Renato, je préfère les chiens parce qu'ils sont très actifs. Par contre, les chats sont imprévisibles. Oui, c'est vrai, et ça peut... ça peut griffer les chats aussi. Hein. Allez, Victoria Posse, je préfère les chiens car ils sont plus proches et je suis allergique aux chats. Et ça, bah, c'est une bonne raison pour ne pas avoir de chats. Emma qui nous dit j'aime les chats parce qu'ils n'aboient pas, ça c'est vrai, mais ils miaulent, miaou. Cosmina qui nous dit je préfère les chiens. Jusqu'à présent, j'en ai eu seulement des chiens de grande taille, mais avec un cœur d'agneau. Je ne connaissais pas l'expression « un cœur d'agneau ». Jamil, les chats, pourquoi? Parce qu'ils sont plus calmes. Ils sont plus calmes. Yasmine qui nous dit « les chats, parce que leur ronronnement est très thérapeutique pour moi ». Ça, c'est vrai, oui. Yossi qui nous dit « fiable ou fidèle ». Oui, c'est fidèle. Chrismo, les chats sont très intéressants, mais les chiens aboient tout le temps. Ice Cubes, les chats à 100%, c'est plus sympa. Bon, je vous dis un grand, grand merci en tout cas. Souvenez-vous que demain nous continuons. So tomorrow we will continue like that. It will be for the intermediate level, but probably we'll have some questions like that. I'm not really sure yet. On va voir. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Sei stuk sin parvekkeen kaiteella. Alla maailma, jonne et tahdo palata. Suurin ongelma on, nyt ei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin. Et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Ainoa mitä tehdä pitää.
on be that key.